Séance Happy Body. Aujourd'hui, on va être sur son tapis, on va se mettre dans sa bulle et on va travailler sur un stretching mobilité, okay, souplesse mobilité sur un peu l'ensemble du corps, mais à quatre pattes. Vraiment, se mettre dans sa bulle pour prendre soin de soi, c'est super important aujourd'hui là. Le but, c'est vraiment de déverrouiller le corps, ok? Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne pour rien louper de toutes nos séances et à activer les notifications aussi, ça c'est important, comme ça au moins t'es sûr de tout avoir. Et puis dès que t'es prêt, on y va, pense à ta tenue où t'es confortable, ton tapis, et puis on est parti. Allez, on commence en position 4 pattes, donc tes mains sous les épaules, tes genoux sous les hanches. Un mouvement que tu dois connaître, qu'on fait assez souvent mais qui est hyper intéressant pour la colonne vertébrale, c'est le chat. Quand tu viens arrondir le dos, tu pousses dans les mains, tu rentres la tête. Et moi, je l'appelle la vache. Dans le yoga, je crois que c'est comme ça. Quand on vient cambrer le dos, tu peux avoir peut-être le 4 camel aussi, apparemment. Ouais. Ça s'appelle comme ça. Donc, tu le fais à ton rythme. Tu arrondis à l'expiration le dos et tu inspires, tu viens creuser en serrant bien les abdos. Tu le fais vraiment au rythme de ta respiration. Tu essaies de bien déverrouiller toute la colonne. Essaie de voir si tu as des tensions ou pas. Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça tire? Et sur le prochain, on va rajouter bras et jambes opposées. Donc tu montes bras et jambes opposées, bras droit, jambe gauche, peu importe. Si tu changes ou pas de bras, c'est pareil. Et tu viens faire ta petite flexion et tu repars. Tu viens tendre, tu montes, même bras, même jambes pour les 5 répétitions. Et tu pousses dans le sol avec ta main et ton genou d'appui. Et tu repars. Tu étires jusqu'au bout des doigts. Cherche bien l'allongement et expire, arrondi. Inspire, grandis-toi. Contracte le fessier et repousse dans le sol. Un petit dernier. Et ensuite, tu reposes et tu changes. Tu changes de bras, tu changes de jambes et on repart. Autre grandissement, on inspire et on expire, on arrondit. Et là, tu peux te mettre des petits challenges, d'essayer de toucher coup de genou. Si ça, ça passe, et bien sur la prochaine, tu essaies de toucher le genou avec ton menton. Si ça, ça passe, t'essaies de toucher la prochaine avec le nez. Si ça, c'est OK aussi, t'essaies de toucher avec le front. Ah, c'est sympa, ça, hein? Ah, ouais. OK, après, tu pourras relâcher. Très bien. On reste à 4 pattes. Un petit peu de mobilité dans la hanche. Ici, tu ramènes le genou droit vers ton bras. Tu viens ouvrir la jambe sur le côté et tu montes la jambe vers le plafond. Et tu viens faire des mouvements de cercle, tout doucement. Prends le temps. On vient vraiment chercher dans les amplitudes. Essaye de sentir ce qui se passe dans ta hanche. Serre les abdos. Moi, ça se déverrouille direct, là. C'est celui qui me demande le plus d'effort. Toujours avec la même jambe. Tu auras plus ou moins d'amplitude. Et c'est pas grave, tu fais ce que tu peux. Mais essaye de pas, tu vois, pencher sur le côté ici. Ok, reste, essaye de bien rester face au sol. Et après, tu vas pouvoir changer le sens. Tu viens ouvrir un maximum côté, tu reviens. Grand mouvement de cercle. Pousse bien, continue à bien pousser dans tes mains, à bien éloigner les épaules, les oreilles. Et vu que ça a bien chauffé dans les épaules, tu vas venir t'asseoir sur tes talons. Donc termine tes 5 répétitions tranquillement. Tu attrapes les mains derrière le dos, tu repousses dans le sol. Tu éloignes les épaules des oreilles, t'allonges bien le dos. Et à l'expire, tu montes tes bras le plus haut possible. Tu resserres les omoplates. Pas longtemps, quelques secondes, et tu relâches. Oui, il y a une sacrée différence entre Hello et moi sur ce mouvement. Tu détends les bras. OK, on fait la même chose avec l'autre jambe. On se replace, 4 pattes, on est retourne. Donc hop, genou vers le bras, ouverture sur le côté, vers le plafond. Pas de vitesse, tranquille.
à l'aide de la respiration lente, profonde. On vient chercher un maximum sur les côtés, vers le haut, vers l'arrière. Pousse bien dans les mains. Je pense à mettre vraiment le creux des coudes vers l'avant pour tout verrouiller là. Et une fois que tu en as fait 5, tu changes le sens. Allez, toujours avec des grands mouvements. Un petit dernier pour moi. Et à nouveau, tu vas pouvoir relâcher, attraper les mains derrière ton dos, repousser le sol pour commencer, allonge le dos, éloigne les épaules des oreilles. Et ensuite, hop, tu montes les bras le plus haut possible. Ça aussi, c'est de la mobilité dans les épaules. Ok, tu relâches, tu détends un petit peu. On repasse à quatre pattes. Et maintenant, même chose avec les bras. Donc, bras droit, loin devant. Tu fais un grand mouvement de cercle. Et là, tu essayes, quand tu fais ton mouvement de cercle, de ne pas tourner. Tu vois le buste sur le côté, tu restes bien face au sol. Ok ? Tu étires jusqu'au bout des doigts. Ton bras ici, hein, est toujours bien tendu. Ok ? Ça chauffe dans les épaules. Ouais, ça peut craquer, tout, aucun problème, ne t'en fais pas. C'est fait pour un. Et tu vas pouvoir après changer le sens. Même chose, des grands mouvements. Allez, étire jusqu'au bout de tes doigts. Si tu as besoin de faire une mini-pause parce que ça chauffe beaucoup dans le bras, c'est ok, hein, y a pas de souci. On a besoin de ces séances, on a vraiment besoin de ces séances pour déverrouiller le corps, c'est super important. Tu peux détendre un petit peu les épaules si ça chauffe beaucoup, ok, dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Et dès que ça va, eh ben on fait la même chose avec l'autre bras. Donc hop, tu te replaces, tu étires bien jusqu'au bout de tes doigts. Grand mouvement de cercle. Pareil, ils sont lents, tu vois, ils sont pas rapides les mouvements. Ça sert à rien d'y aller rapidement. Prends ton temps. Il faut que tu ailles rechercher vraiment la limite de ton amplitude à chaque fois. Et rappelle-toi, hein, tu twistes pas le buste, tu restes bien face au sol. Quand on a fait 5, hop, tu repasses dans l'autre sens. Grand mouvement de cercle également. Toujours avec la respiration, profonde et lente, par tes narines. Hein. N'oublie pas ta respiration. Pareil, quand tu as terminé tes cercles, tu peux détendre un petit peu, tu relâches les épaules. Et petit dernier. Tu peux pour détendre moi. Un peu les cervicales. Prends ton temps, tu vois, Étienne, il n'a pas fini en même temps que moi. Donc, c'est parce que j'ai des plus grands bras, c'est pour ça. Il a plus de trajets à faire. On va finir à nouveau à quatre pattes. Là, tu as donc ta main droite sous ton épaule droite. Tu vas échanger, tu vas mettre ta main gauche sous ton épaule droite, ta main droite au niveau de la tempe, et tu vas venir ouvrir sur le côté droit en stabilisant tes hanches. Tu ouvres, tu ouvres, tu ouvres. Et après, toujours en gardant la main vers la tempe, tu vas essayer de passer sous ton coude le plus loin possible. Et on revient. On ouvre sur l'autre côté. Et on expire, on vient croiser. On en fait 5 aussi. Pousse bien dans ta main d'appui. Viens chercher un maximum sur le côté. Grandis-toi. Un petit dernier. Ok. Bien, même chose de l'autre côté, main droite sous l'épaule gauche. Hop, on tourne à gauche. Ah, ça fait du bien, ça craque un peu dans le dos, on passe sous le bras. Je suis plus verrouillé à gauche, tu vois. On inspire, on ouvre. On expire, on twist. Peut-être que chez toi aussi, tu vas le sentir, hein. Peut-être qu'il y a un côté où bah, c'est un peu plus compliqué d'avoir de l'amplitude. C'est normal, ne t'inquiète pas. Ne te dis pas, mais c'est pas possible, je suis pas normale. Non, pas de panique, on est tous pareils, on a tous un côté qui est plus ou moins agréable que l'autre. Tu détends un petit peu, pareil, les épaules, les cervicales. Et on va passer à plat ventre pour terminer. Donc ici, on va étirer un petit peu, en premier, la poitrine, les pecs. Donc tu viens placer ton bras en position de U. Donc épaule, coude aligné, coude, poignet aligné. Ok, même légèrement voir le coude un peu plus haut que l'épaule.
Ce qu'il faut, c'est que tu plaques bien ton épaule dans le sol, ok? Une fois que tu es là, avec la main gauche, tu vas pousser dans le sol et tu vas te mettre sur le côté. Donc là, les jambes, bah, tu peux les plier, tu peux les tendre. Tu vois, Étienne, il met un pied derrière aussi pour la stabilité, peu importe. Ouais, bah, j'aimerais bien le mettre derrière pour la stabilité, mais en fait, ça me tire tellement sur l'épaule qu'il est dans le vide, là. N'hésite pas à faire bouger un petit peu ton coude, à le monter un petit peu plus haut, hein, si besoin, pour le sentir bah, dans ton épaule et aussi dans le pec, ok? Oui, moi, je le sens beaucoup dans le pec. J'ai dit épaule, mais c'est voilà. Beaucoup pec, là. Donc après, tu testes. Ok, ça ne me tire pas trop, je descends un petit peu, je monte un petit peu, tu essayes de voir. Et ce qui est important, c'est que ton épaule, elle reste en contact avec le sol. Ok, on revient tout doucement. Fais la même chose de l'autre côté. Donc hop, tu prends ton repère, tac, et tu tournes. Donc là, on est plus en étirement passif. Par rapport au mouvement qu'on faisait avant, on était plus en mode mobilité. Hein. Donc si tu vois que c'est trop intense, hein, t'hésites pas à faire descendre ton coude, hein, si tu vois que c'est vraiment intense sur le pec. Et tu reviens tout doucement. Ok, on a fait le haut, on va faire le bas, et après je t'embête plus. Donc ici, ensuite, tu vas venir plier ta jambe gauche. Tu ramènes comme ton talon au fessier, ok? Tu peux placer tes bras, si tu veux, sur les côtés ou simplement les laisser là, c'est comme tu veux. Tu essaies de décoller ton genou du sol. Et là, tu vas venir ramener ton pied en direction de ton épaule opposée. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Tu viens chercher vraiment à voir cette rotation. Donc là, forcément, ta hanche gauche va se décoller du sol, ok? Et tu essayes, si tu peux, de poser ton pied sur le sol. Tu essayes, hein, comme on te dit, hein. Un petit peu une rotation et en même temps c'est vraiment vers le sol mais dirigé vers ta tête, ok? Ok, tu reviens tout doucement. Serre bien les fessiers, serre bien les abdos, hein, ça c'est important. Tu te replaces, on fait la même chose de l'autre côté, hein, on plie la jambe, on monte, on décolle la cuisse et on vient chercher la rotation. Moi je sais que celui-là j'adore pour le dos. Parce que j'ai pas de douleur particulière, d'accord? Si toi, tu as des soucis au niveau du dos, évite peut-être de faire ce mouvement-là, d'accord? Tu fais attention, en tout cas, si tu veux le faire. Ok, tout doucement, on revient. Parfait. Et tranquillement, on va prendre appui sur les mains, serre les abdos, décolle le buste, et tu viens te replacer en position assise. Eh ben, je pense que cette séance de mobilité nous aura bien déverrouillé. Ouais, ça fait pas du bien un peu? Comment tu te sens là? Comment tu te sens? Dis-nous en commentaire justement la sensation après une séance comme ça. Est-ce que tu es plus reposé, plus tranquille, plus déverrouillé? Comment vraiment tu te sens? C'est important parce que toutes ces sensations-là, il faut vraiment les remarquer, il faut les nommer, mettre un nom dessus et voir comment justement tu vas évoluer en fonction chaque jour, chaque semaine, avec nous en vidéo par exemple. C'est vraiment le but de tout ça, là. Et si tu en veux plus, si tu veux vraiment finir avec le poids que tu as en trop, être vraiment te sentir bien dans ton corps, bien dans ta tête, on te donne tout ce qu'il faut dans notre pack transformation que tu peux télécharger gratuitement.